Hoi, c'est Captain Mackenzie et c'est parti pour la 7ème partie du Let's Play sur Spyro Season Ice sur Game Boy Advance. Du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait quasiment terminé du coup le monde féerique hivernal. Voilà, il nous reste plus que le circuit air glaciaire. On se souvient qu'on avait un peu galéré quand même sur le circuit air glaciaire la dernière fois. Il me semble qu'il est... Bon, pas par là. Bon, déjà, première étape, chercher le circuit air glaciaire. D'accord, bon. Du coup, on est parti. On se souvient, du coup, disais-je, qu'on avait pas mal galéré la dernière fois sur ce niveau. Donc, espérons que ça se passe bien. Attends, déjà... 300 joyaux et 2 fées. Bon. Alors bien sûr, au fur et à mesure des essais, si jamais vous vous souvenez bien de comment ça marche, le niveau va devenir de plus en plus facile, pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire que là, les éléments jaunes nous donnent des secondes supplémentaires, et les éléments bleus, donc là en l'occurrence les chauves-souris, nous donnent un joyau. Et donc du coup, à un moment, quand on aura récupéré tous les joyaux, aïe aïe aïe, eh ben, tous les trucs bleus se transformeront... Ah ! En éléments jaunes. Donc là, ces espèces d'ours polaires violets, là, deviendront... Ah ! Jaune et du coup donneront des secondes supplémentaires. Là, bah pareil, les anneaux, on voit qu'on ne gagne pas de secondes supplémentaires. On en gagnera dans les prochains. Dès le prochain coup. Oh là, c'est quoi ça? Dès le prochain coup où on va revenir dans ce niveau. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup... Aïe. Il n'y a pas beaucoup de trucs jaunes. Hein. Et voici les ennemis. Alors attention. Oups. Bon, ça, bien sûr... Voilà, j'avais clairement pas le temps de les battre. Hey! joyaux, c'est pas mal pour un début. Pour un premier run, en tout cas. Là, on a moyen de... Oups. De faire des temps pas trop mal. Dès le deuxième run. Qui sait, peut-être qu'on a une chance... Aïe. De remporter les... Enfin, de finir le niveau. Dès ce coup-là, sait-on jamais. Bon, j'ai raté encore une... J'ai raté un joyau tout à l'heure, mais bon, ça, à la limite. Hop là. Et vous voyez, là, on a quand même beaucoup plus de ce... Ah, bah tiens, j'en avais raté une tout à l'heure. Et là aussi. Je pensais pas en avoir raté, pourtant, mais... Enfin, je les avais peut-être abattus, mais j'avais pas réussi à récupérer les joyaux, peut-être. Alors, important, essayer de tous les battre, par contre, parce que du coup, les ennemis suivants arrivent plus vite. Donc là, important de passer à travers tous les cerceaux. Comme ça, on ne perd pas de temps. C'est comme s'il n'y avait pas ce truc. Ah. Oh, putain. Alors là, on en a un. Ici, on a des secondes. Oh, j'ai une seconde qui se barre, c'est pas grave. Aïe! Là, on n'a pas de joyaux supplémentaires. Et voici les boss. Une minute pour les affronter, je pense que c'est pas trop mal. Là, on en a un déjà qui est presque, putain, vaincu. Hop là. Et aïe!
Oh, c'est pas vrai. Mais reste pas trop loin, toi, non plus. Ah bah non, j'ai pas envie de perdre maintenant, moi. Ah. J'ai gagné. Bon, finalement, ça allait plutôt bien. Par contre, maintenant, c'est le mode difficile. Ça va être chaud. Ah, bah, je crois qu'il me manque que la chauve-souris, maintenant. Bon, allez, on cherche une chauve-souris bleue, les gars. Et les filles. Ah, chauve-souris bleue, contre toi. Aïe. Aïe. J'ai vraiment moins de... Oh putain. Voilà. Ah. Oui, je disais, j'avais vraiment moins de secondes qu'avant. Allez. Ah, je l'ai pas eu. Mon jeu. Bon, alors là, 30 secondes pour l'étape d'après les cerceaux, plus les boss. C'est tendu. On n'a pas vu la chauve-souris bleue, si? Oh putain. Oui, alors ça, c'était pas le moment pour faire ça. Putain, les trucs m'arrivent dessus, quoi. L'agression. Mm-hmm. Dix secondes pour les battre. Ouais, non, c'était pas possible. 10 secondes pour les battre, c'était pas possible. Oh non! Oh putain. On retombe dans le gros défaut de ces niveaux, la profondeur. Impossible d'estimer si jamais on est assez loin pour se mettre devant et tirer ou pas! Ça va être tendu là pour le suivant. Hop là. Hop là. Bon, là ça se passe pas trop mal. Ouais, je suis aussi avancé qu'avant quoi. Je me suis plutôt bien rattrapé sur les ours polaires mais... Oh putain. Mais ça c'est un truc que je déteste quand les trucs m'arrivent dessus. Bon, j'ai deux fois plus de temps pour les vaincre, ça devrait aller. Ah putain, et celui du haut qui me fait des feintes à chaque fois. Bon, on n'était pas encore trop mauvais. Par contre, elle est où cette dernière chauve-souris? À moins que j'ai été trop occupé à me plaindre sur la profondeur. Non. Oh putain. Je souris bleu, es-tu déjà passé? Hop. Bon. C'était moins mauvais que tout à l'heure. Ah, mais j'en ai laissé passer un. Mais. Ah. C'est ça, venez sous mes flammes. Oups. 30 secondes, j'ai 5 secondes de moins que tout à l'heure. Même en 30 secondes, je suis loin d'être certain d'être le boss. Puis... Ah, encore, je croyais que ça allait, ça passait.
Aïe. Bon. 13 secondes, quelle joie. Bah ouais, c'est galère quand même, parce que... Enfin, le boss, j'ai réussi à le battre en environ 45 voire 50 secondes. Sauf que là, maintenant, j'ai juste une minute pour terminer le niveau. C'est quand même ultra plus tendu. Mais... Tire ! Aïe 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 aïe. Là. Ah là là. Là. Si, si, c'est bon. Là, je peux les faire rapidement. Et là, j'ai 40 secondes. Ce qui n'est pas trop mal. Là, je peux avoir celle-là. Croisons les doigts parce que... Oh putain. Oh putain. Et là, 30 secondes. Bon. J'allais dire que ça allait pas marcher trop mal, mais... Non. Bon, si jamais je me débrouille comme ça, en fait, pour le... Un peu mieux pour le boss et comme ça pour le parcours, je pense que ça ira. Puis ensuite, je sais pas, je referai le truc en normal, peut-être, pour... les joyaux n'apparaissent qu'en normal, peut-être. Aïe, putain. Les pandas. Enfin non, les pandas, les ours polaires, pardon. Oh putain, j'en ai plein. Oh non, j'en ai loupé un autre. Là, faut pas que je gâche cette occasion. Oh putain, essayez, je suis descendu à 40 secondes. Ça fait chier. Hop là. Concentration par contre pour les boss, hein. Hop là. Bon. Oui. Ouf. J'ai sauvé Naomi. C'est cool. Par contre, il me reste encore un truc à faire. On va revenir au normal. Je pense qu'en fait, pour que ce soit pas trop dur, ils ont dû enlever tous les joyaux en mode difficile et remplacé par des trucs à temps. Oui, là, c'est bon. Et bon, bah voilà. Allez, maintenant mon but ça va être de tout me prendre pour perdre le plus rapidement en fait. Allez, bouffez-moi. Allez, allez, bouffez-moi. Vous êtes sérieux? Ah, oui, d'accord, ces trucs sont inoffensifs. Ah non. Touchez-moi, je suis là. Toquez-moi, putain. Boum. Ah. Bon, bah plus que 30 secondes. Boum. Non, pas boum. Non, ils s'en foutent. Ah, ceux-là, ils vont me toucher. Ah, bah voilà. Ouh, double coup.
et c'est bon. Ouf. Retour au monde des fées. Ouf, 2500 joyaux. Et là, monde féerique hivernal. Tout est rempli. On va pouvoir aller au monde suivant. Et... enfin, dès que j'aurai trouvé le monde suivant. Oupsie. Par là, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, c'est là. Je vais retenter, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes pouvoirs magiques. Oui, ça fait 3 vidéos. Et nous voici donc au monde féerique printanier. Donc, encore un niveau où on ne peut pas mourir. Donc, ça, c'est sympa. C'est le monde féerique printanier, ça? Pourquoi il y a des bouquins? Ça ressemble pas à un monde féerique. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que là, ça me met que je suis à Gapville. Ça m'étonnerait. Si j'allais me soigner, en fait. Il y avait des trucs de soins. Parce que là, j'ai peur, je sens venir le boss. Allez, boum. Voilà. D'accord. Ah non, il va falloir... Eh bien, Spiro, nous rencontrons enfin. Tu t'imagines que j'ai gelé toutes ces fées pour m'amuser? Pensais-tu vraiment pouvoir ruiner mon plan sans que je m'en aperçoive? Tout ce qu'il me faut, ce sont les ailes de 100 fées pour terminer ma potion. Pourquoi tu ne l'as pas remarqué? J'ai deux têtes et je n'ai pas besoin de deux têtes. Tout ce que je veux, c'est une tête bien faite. Eh ben, c'est pas gagné. Pardon, je me suis étouffé par ma propre blague. Toutes ces fées sont au cœur de mon plan. Quand j'en aurai fini avec toi, je les récupérerai toutes. Et je pourrai enfin faire passer cette migraine. Tu te calmes? Wow. Ah mais non, mais en plus ça me suit. C'est pas très bien. Je n'apprécie pas, monsieur. Oh. D'accord. Comment te dire? Allez. D'accord. Ouh. Oh, quel lâche ce Spiro. Oh tiens, les moutons réapparaissent. Ça, c'est un bon truc. Je sais pas, faut brûler les livres. Je sais pas, il y a plein de livres partout. Vas-y, viens brûler le bouquin. Bon, ça fait rien. Ah, c'était pas la bonne méthode. Ah, il a l'air de pas avoir apprécié. Aïe. Voilà. En fait, faut lui foncer dessus. Ah, les moutons n'ont pas réapparu. Wow. Ah si, ils viennent de réapparaître, oui. Allez. Attends, t'as encore des trucs à faire? Non. Non, 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 non,
Bien. Petit mouton. Ah, et j'ai gagné une vie. Pourquoi pas? Bon, faut te toucher combien de fois, mon grand? Ouais, non. J'ai essayé de le prendre de vitesse, mais non, ça n'a pas marché. Ouais, alors on va se calmer. Ouais, mais non. Eh ben voilà. Je vais me soigner. Ah, bah tiens, une fée. J'ai sauvé Lisa. Ouais. Lisa est buggée un petit peu. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Nous n'avons toujours pas retrouvé Zoé. Il doit donc rester défié prisonnière. En plus, la baguette magique de Grendor a disparu. Pourquoi ne vas-tu pas chercher les autres fées pendant que j'essaie de retrouver cette baguette? Ah bah oui, dis donc. Et toi, tu dis quelque chose? Tu as sauvé Lisa. Ah oui, bah oui. Elle est buggée, donc non, pas vraiment, non. Voilà. Monde féerique printemps. Wow. Bon, je sais pas trop ce qui fait ça, mais bon. Monde féerique hiverne. Non, monde féerique printanier, ça y est, on y est. 5 fées et 300 joyaux. Ah, ça fait plaisir de retrouver des niveaux d'exploration. Ah bah tiens, ces fleurs-là sont peut-être les objets inflammables. Voilà, détruisons la nature. Spyro nous apprend que détruire la nature, c'est bien. Alors. Là, c'est bon. J'ai tout récupéré. Je m'intéresse pour l'instant à cette plateforme-là. Voyons voir un petit peu le nom des lieux. On a le labo du professeur, la ville romaine, l'usine des ampoules brisées, un circuit aquatique et les jardins enchenillés. Donc ouais, on est à mi-jeu hein, environ, donc faites le calcul, hein, 14 vidéos. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Ah ah! Fleurs à brûler. Oups, des fleurs jaunes. Oh bah tiens, encore ici. Et puis celles-ci en plus, elles sont en plein milieu, on a vite fait de passer à côté. Le circuit aquatique est ici, et j'ai pas assez de fées encore. Ils m'ont 64, wow! Sachant que là, je les ai toutes récupérées, on n'est pas obligé de toutes les récupérer, hein. Ok, donc. Là, nous avons des petits lapins. Des petits lapinous tout dodus. J'essaie de faire ça de manière assez rangée, hein. Mais j'y arrive pas. Il me demande combien? 800 joyaux. Pas pour l'instant, merci. C'est vrai que dans mon compte de joyaux total, il y a... pas du coup de compter tous les joyaux que j'ai récupérés vu que j'en ai dépensé certains pour aller dans les niveaux de Sparks. La ville romaine, elle est là. Ah, d'autres fleurs. Là, il me manque encore quelques joyaux que je n'ai pas récupérés. Ville romaine, donc. Bon, j'aimerais bien monter... Merci. On a juste un petit monticule ici avec une fée de... Bon, Spyro. Juste, méfie-toi de Grendor, Spyro. Il paraît que c'est lui qui a envoyé les rhinos pour nous capturer. Oh, dis donc, je me serais jamais douté que Grendor serait le vilain du jeu. Hop là. Tiens, d'ailleurs. Voilà, les lapins roses, on les bute. Parce que ça pourrait nous faire gagner des vies. On en est à combien? On en est à 124. Ok, 124, une fée. L'usine des ampoules brisées, elle est là. Ow. On essaiera peut-être de se faire les niveaux chiants au début. Labo du professeur, 58 fées. Ah bah tiens. J'aime beaucoup le froid, mais ce cristal était vraiment franchement glacial. Merci Spyro, mais de rien, je sais plus qui. Est-ce que là... Ah non, je suis pas allé là encore. Oh...
Donc on essaie de faire les niveaux chiants dès le début, histoire d'avoir juste les sympas à faire à la fin. Nous sommes à 210 joyaux. Alors là, je reviens. Ouais, je suis revenu. Au début. Alors, il y a des endroits que je ne suis pas encore allé voir. Aïe. Là, il y a cette espèce de grand monticule au centre. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oui, donc ça, c'était la fée que je viens de récupérer. Le labo du professeur qui est bloqué pour le moment. Ah, il reste des trucs à faire par là. Ah, bah tiens. Je crois que c'est la dernière des fées qui se trouve par terre, normalement. J'ai entendu l'un des rhinos dire que Grendor veut se transformer en rhino super intelligent et pour cela employer la magie. Il a deux têtes. C'est bientôt fini. Encore la fée des fleurs jaunes et potentiellement... Ah. Potentiellement une autre fée à trouver par terre ou autre une autre fée. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu un peu tout le truc. Parce que là, ouais, voilà, va pas y avoir. Dès qu'on va trop loin, là y a pas de truc caché quoi. Ah bah tiens. Ah, attendez, là il y a un joyau que j'avais pas pris. C'est la ville romaine ici. Ok. Fleur jaune! Attends, parce que si ça se trouve. Si c'est la dernière fleur jaune, je sais pas où est-ce qu'il va me. C'était pas la dernière fleur jaune. Mais une fois que je l'aurai. Trouvé. Ah bah tiens. Je sais pas si ça va pas me faire popper à je sais pas où. J'ai sauvé Heidi. Ouais. Je croyais que personne ne me trouverait. J'ai toutes les fées d'ici. C'est une bonne nouvelle. Et bientôt tous les joyaux. Ah bah oui. Et il me faut combien de fées? 71. Et c'est bon. Et du coup, la prochaine fois, on fera la ville romaine. Et sans doute le circuit aquatique. Du coup, n'oubliez pas, si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais ce let's play vous plaît, vous pouvez le commenter, le partager, le liker. Abonnez-vous si jamais vous voulez profiter de tous les let's play qu'il y a sur ma chaîne. Et voilà, je crois qu'en fait, histoire d'être débarrassé, on fera plutôt le niveau de Sparks. Hop, voilà. Niveau de Sparks, la suite de ce let's play du coup sera la partie 8 vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.